J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler assez fort malgré le vent. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce n'est pas une rediffusion aujourd'hui. Donc voilà. Donc, on n'est pas en live, mais presque. Donc voilà, j'ai déménagé. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un peu de temps. Donc voilà, j'ai sorti un oracle avec des petits messages pour commencer. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça fait un moment, on l'a pas pris. C'est celui de Michel Ange. Tarot. Allez, on va regarder ce que ça a à nous dire un peu de bon dans nos énergies. Alors, on a appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Donc peut-être qu'on nous dit pour les messages à venir justement de faire attention peut-être aux apparences, de pas être trop dur avec soi-même et avec les autres, juste être juste en fait, être juste et avoir du bon sens, écouter son cœur et voilà et pas essayer de se faire emporter par la vibe de notre côté ombre, même si c'est pas toujours facile pendant certaines périodes. J'avais daté les cartes et ça fait un moment que j'avais daté les cartes et on a 22 heures sur cette carte. Je trouve que cette carte elle est plutôt sympa. J'espère que le vent ne va pas tout envoler. J'ai pris mon dark, j'en ai presque plus. Je reçois d'un moment la suite du stock la semaine prochaine. Ok, on va prendre un jeu qu'on m'a envoyé d'une copine qui est très connue. Le tarot. Ok. Alors, on va aller voir la première carte. J'espère que vous allez bien. Je ne sais même pas si je vous ai demandé comment vous vous portez. Moi, ça va. Écoutez, les amis, ça va super bien. On est dans de bonnes énergies. Alors, on a la carte ici de la Lune. Cette merveilleuse illustration. La Lune ici dans le tarot est. Même quand, enfin, c'est vrai que la lune dans le tarot, c'est quelque chose qui a trait plus à notre troisième œil, à notre inspiration, à notre mental, à notre état d'esprit aussi, les amis. Ça peut avoir un côté un peu triste, un côté avec un état d'âme un peu compliqué parfois. C'est vrai que je ne me suis jamais intéressée à cette carte profondément. Mais est-ce que c'est lié, vous allez dire je suis bête, peut-être. Il y a certaines personnes qui captent mal les énergies de la lune quand elle est pleine. Personnellement, moi j'adore la pleine lune, je trouve ça super relaxant, mais il y a beaucoup de personnes, justement, l'effet de la lune est compliqué. C'est peut-être lié au changement, lié à certaines situations, peut-être de purification, de remise en question. Mais moi, la carte de la lune, je la trouve tellement belle parce que déjà, d'une part, elle illumine tout ce qu'il y a autour. Donc pour moi, ici, cette carte nous parle de faire briller certaines choses. Ça éclaire des choses. On peut se retrouver dans une forme de plongeon comme cette sirène qui tombe dans le lac. Ça peut être aussi un appel. Un cri d'SOS avec ces loups qui crient, vous savez, on dit à la mort. Les chiens aussi le font parfois. C'est un cri d'SOS, un cri du cœur. C'est quelque chose ici d'assez profond quand même dans les émotions. Dans les émotions peut-être du cœur, dans les émotions de la tristesse aussi. Donc c'est cette première carte qui ressort ici. Mais personnellement, je sais pas vous, mais la lune, moi, je la trouve belle. Et je la trouve puissante et je la trouve super intéressante. Ensuite, on a cette carte d'ermite. Une personne ici qui a marché longuement, qui a marché, qui a évolué avec son temps, qui a su faire avec les problèmes. Donc oui, on nous parle ici avec cette deuxième carte. Donc là, on est tombé dans un plongeon, dans les abîmes peut-être de nos sens, de ce qu'on ressent, un appel SOS pour quelqu'un.
par rapport à notre vrai nous aussi avec cette lune. Et la carte de l'ermite qui suit, ça nous parle d'un certain cheminement, d'une certaine traversée qu'on a pu faire malgré peut-être nos difficultés personnelles, les problèmes de la vie. On a un recentrage sur nous-mêmes, l'envie peut-être d'être seul, l'envie de solitude, envie peut-être de percevoir les choses différemment, envie peut-être d'avoir une nouvelle mentalité, envie de recul tout simplement et d'aborder les choses autrement, peut-être se dire, ok, des fois la vie, elle est difficile, mais peut-être justement, quand ces problèmes arrivent, avec cette eau ici en bas, qui parle quand même de beauté, avec cette petite lanterne qui part de lumière, on voit ici quand même qu'on n'est pas forcément perdu dans ce chemin d'ermite. Je pense que qu'on l'a choisi quand même. On l'a choisi, mais je pense que c'est vraiment une envie de se retrouver, de retrouver l'autre aussi quelque part, à travers peut-être cette peur, ces complications. Il y a aussi un truc qui me vient, le fait de d'être là, caché quelque part, dans certaines profondeurs peut-être compliquées de l'inconscient, se dire que peut-être une personne arrivera à nous retrouver malgré les complications qu'on se donne à nous-mêmes. Et les complications qu'on peut donner à une autre personne, est-ce que cette personne va arriver à comprendre notre nouveau nous, comprendre la nouvelle personne qu'on est, les nouvelles aspirations qu'on veut montrer, qu'on veut inculquer, qu'on veut partager. Donc voilà, avec la carte de l'ermite, je pose deux cartes ici parce que avec mon jeu, j'ai peur que ça s'envole. Allez, on va regarder la seconde carte qui nous ressort. Celle-ci, le vent, il est fort. Waouh! On a l'as de deniers, l'as de pentacle. On a deux mains qui ressortent. Deux mains qui montrent quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a produit, quelque chose que de nous-mêmes on a voulu. On voit une forme d'enracinement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a poussé, il y a quelque chose qui, pas qui s'est fabriqué, mais oui, qui a germé, c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a protégé, qu'on a voulu prendre soin, j'ai envie de dire, et passer à une autre étape, une étape peut-être de maturité, une étape de grandissement, une étape de quelque chose de plus grand. Et on obtient quelque chose, donc... Là, en fait, on dit, en fait, on passe une certaine période dans peut-être le fin fond de nous-mêmes, à découvrir nos parts d'ombre, à découvrir nos parts mystérieuses, à apprendre à nous connaître nous-mêmes, même, j'ai envie de dire. Et il y a un choix ici d'évasion avec cette ermite. Et on a créé quelque chose pendant ce temps qui n'a pas été perdu. Malgré qu'on peut-être qu'on a pu avoir une idée comme ça, on perd du temps. Mais non, on se rend compte qu'on n'a pas perdu du temps parce qu'en fait, on a créé quelque chose qui a quand même une certaine valeur, qui est synonyme avec cette carte, oui, de début, de commencement, de nouvelle échelle, pas échec. C'est beau parce qu'en fait, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme si vous avez créé quelque chose. Pendant tout ce temps précieux, tout ce temps de solitude, tout ce temps à penser, vous avez fabriqué quelque chose, vous avez créé quelque chose de très beau. Il y a vraiment ce truc de beauté, de valeur, ça nous tient à cœur en fait. Et en fait, vous le donnez en fait. On le donne à quelqu'un. On le donne à quelqu'un de bon cœur. C'est quelque chose qu'on offre. Il y a comme une offrande. Dans cette carte. Et si cette carte elle serait toute seule, bon, ok, on peut donner, on peut offrir aux gens qu'on aime, aux gens qu'on apprécie, aux gens qu'on veut aider, aux gens peut-être pour leur donner peut-être un message. Bref, peu importe la raison, si elle aurait été seule, c'est pas qu'elle aurait été banale, mais elle aurait été moins puissante avec ces deux cartes parce qu'on a quand même juste avant un cheminement, on a une plongée, on a un cri de SOS, on a une puissance de la lune.
Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose qu'on va donner à n'importe qui. Et c'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau. Ok. On va prendre une autre carte pour voir ce que ça peut nous dire d'autre en fait, la suite. J'ai entre chaud et froid là. Celle-ci. On a l'as de coupe, on a encore un as. Mais là, c'est un as qui parle, c'est dans le domaine des coupes, c'est dans les domaines des émotions, dans le domaine de l'amour, dans le domaine du cœur, dans le domaine des sentiments, de l'affectif. C'est vrai que l'as de pentacle, c'est plus de base, le pentacle, c'est l'ancienne monnaie, c'est les pièces, c'est l'argent, c'est aussi l'intellect, le domaine du pentacle, des deniers, c'est tout ce qui est intelligence, c'est tout ce qui est cérébral aussi. Et on avait quelque chose qu'on donnait. Donc je pense ici, il y a plusieurs affects. Il y a l'affect de donner quelque chose ici de palpable. Moi, je pense ici, dans ce qu'on a dit précédemment, les amis, on donne quelque chose ici de valeur, quelque chose qu'on a mûrement créé avec notre temps, notre patience, nos émotions. C'est quelque chose d'important, mais je pense que c'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose de. Voilà, c'est pas. Voilà. Et il y a également un affect sentimental, un affect du cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est aussi quelque chose qu'on donne qui est lié à l'amour, qui est lié au cœur, qui est lié au sentiment. Ça peut être aussi un nouvel amour ou par rapport à une personne qu'on a dans le cœur, c'est lui donner quelque chose, lui révéler quelque chose d'autre. Moi, je pense ici, ce message, le message veut nous dire il y a une nouvelle étape dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle aussi peut-être, et beaucoup, je pense, dans le domaine de nous-mêmes, les amis. Et ouais, il y a comme un nouveau truc, en fait, qui vient. On a comme un nouveau nous, on a un nouveau départ. Il y a une certaine puissance, il y a une certaine reconnaissance. Et on dit qu'il faut y croire, qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut garder cette lumière, garder cette profondeur d'âme qui est vraiment très importante. Et on parle de révélation aussi, on parle de connaissance, de se redécouvrir, de redécouvrir l'autre aussi, et d'apprendre à connaître la personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec la première carte ici, c'était appréciation. Donc apprécier, aimer, être dans l'observation des choses, regarder, comprendre, écouter son cœur, écouter son mental, et avoir un bon jugement de la situation. Et on parle de. Au niveau de la temporalité de 22 heures, je ne sais pas ce que ça va évoquer, mais on parle de ça. Je vais quand même regrouper mes cartes, sinon tout va partir en l'air, j'ai peur. J'ai pas envie de tout perdre. Je vais prendre l'oracle d'arc. Enfin, moi, c'est la finition mat, mais vous avez la finition gloss. Allez. Oracle d'arc de Delphine Allard. On va prendre celle-ci. On a une carte neutre qui parle d'un message reçu, qu'on reçoit un message, qu'on réceptionne un message,
C'est une carte neutre. On a le signe du Gémeaux qui ressort en premier. Avec la carte de l'international et le signe de la balance. Donc, on reçoit un message qui vient de loin, qui peut être puissant, qui peut venir d'une personne qui n'est pas forcément très près de nous. Ou alors, c'est peut-être une personne qui a une origine atypique ou particulière par rapport à nous. Ça peut être aussi le fait de recevoir un message de loin, un courrier qui ne vient pas d'à côté. Ça peut être un colis aussi. Mais c'est vrai que là, bon, on a réceptionné quelque chose qui vient du monde. Mais c'est aussi un message qu'on reçoit lié à l'international, lié à quelqu'un peut-être qui n'est pas à côté. Et on a la carte de l'administratif et du document. On n'a que des cartes neutres ici. Et on a la Vierge qui sort. Donc c'est vrai quand même qu'on a l'impression qu'on reçoit un document, on réceptionne un message, une lettre peut-être qui vient peut-être de pas à côté. Et c'est lié à l'administratif ou à un document important. C'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, c'est important. Peut-être qu'il faut surveiller les boîtes aux lettres. Peut-être signer un document pour récupérer la lettre. Ou peut-être il y aura un avis de passage. Mais en tout cas, ça, si ça sort, je pense que c'est quand même important. Je vais essayer de dater quand même avec l'oracle. On a la femme qui ressort, donc c'est une carte neutre. On a encore les Gémeaux qui ressortent. Donc deux fois les Gémeaux, c'est quand même important. C'est lié à une femme. On a le Taureau qui ressort. On a la carte de l'instinct, de l'intuition. Cette carte, c'est qu'on sait des choses, c'est qu'on ressent des choses, c'est qu'on est au courant peut-être de ce que je... Vous êtes au courant de ce que je vous dis. Vous allez peut-être bientôt aux lettres. Alors, quand même, on a quand même l'impression que c'est un document qui est assez officiel ou qui est assez important, quand même. Ça peut être aussi recevoir, vous allez peut-être commander, vous allez peut-être recevoir un livre... un document de quelqu'un peut-être qui a écrit des choses sur la médiumnité, sur la divination, sur l'ésotérisme. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider, vous, à vous avoir plus clair, à comprendre des choses, votre médiumnité, votre façon de voir les choses. Peut-être vous découvrir, vous, peut-être certaines capacités. Ça peut être ça. Ou alors, c'est tout simplement le fait que vous allez réceptionner un colis ou des documents importants. Mais avec la carte de l'instinct, c'est que vous le savez. Vous avez un certain ressenti précis de ça. Peut-être de ce qui va se passer, en fait. Ok. On a la carte de la festivité qui suit, d'un événement. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez attendre. C'est quelque chose peut-être que... qui aura beaucoup de sens, qui sera assez important pour vous, un colis, une lettre. Soit c'est vraiment administratif, mais ça peut être lié à quelqu'un particulièrement. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose d'important. Le fait de recevoir ceci, ça va être comme votre fête. Enfin, ça va être vraiment quand même... vous allez être vachement content. Alors, on a le Taureau, le Poisson qui ressort aussi. Donc voilà pour le premier message avec le Dark. Donc voilà, on parle de stabilité, d'équilibre, peut-être malgré une manipulation, et on parle d'un cadeau, d'une surprise qui vient à vous, peut-être pour vous aider justement à retrouver un équilibre après une addiction ou quelqu'un qui vous aurait fait peut-être un peu de mal. Il y a un cadeau qui vient à vous, qui va vraiment vous, peut-être pas vous donner la stabilité, mais... qui va vous mettre sur ce chemin-là ou qui va vous aider à mieux y parvenir d'une meilleure manière. Ok. J'ai envie maintenant de faire des combinaisons avec celui-ci.
Je vais bien le brasser. Ok, je vais couper. Alors, on parle d'illusion concernant peut-être la famille par rapport à des choses qu'on ne sait pas sur la famille. Alors, on parle de chance concernant l'argent. Jackpot financier. Ok. Alors, protéger ou aider quelqu'un peut-être qui a besoin d'aide énormément, qui a besoin de votre présence. Quelqu'un qui ne va pas forcément bien. Peut-être que c'est juste cette personne, elle a besoin de votre présence. Quelqu'un qui aura besoin de vous, qui n'ira pas bien, quoi. Alors, on parle ici d'arrivée rapide pour une promesse. Quelqu'un qui va vous promettre quelque chose. On parle d'une surprise ou d'un cadeau pour une femme. Alors, au niveau de la rivalité, des antagonistes, des méchants, on voit un message qui a été envoyé. D'accord. Donc, il y a une communication qui peut être faite. Un rival ou quelqu'un que vous n'aimez pas particulièrement va vous envoyer un message. Alors, dans 3 mois, on nous parle ici qu'il y a l'hiver. Peut-être que je me trompe, on se trompe. Je ne sais pas, à peu près. Bon, je ne vois pas pourquoi on nous dit ça. Je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement, on nous parle que dans 3 mois, à l'hiver, il y a quelque chose d'important qui se passe. Alors, un homme qui est dans le sacrifice et qui s'oublie. Alors, le silence, ghoster quelqu'un, programme. On programme, enfin, quelqu'un qui programme de nous ghoster ou vous allez programmer de ghoster quelqu'un. Arrivée lente d'un message que vous allez recevoir. Ou de quelqu'un qui vit loin. Alors, au niveau de la sexualité, on parle de lutte, ma foi. On parle de fusionner malgré les désaccords. Un acte notarié ou une signature où on aura un choix. Peut-être lire les petites lignes. On parle d'harmonie concernant une grâce ou quelqu'un qui va nous faire un cadeau qu'on n'attend pas. Alors, la justice, le karma, la foudre céleste, on parle que oui, ça va arriver, mais qu'il faudra faire preuve de réflexion. On parle de responsabilité et d'obligation par rapport à quelqu'un qui va s'excuser ou demander pardon. Au niveau de la famille, on voit qu'il y a un problème, un danger. On manque de... Attendez, il y a le vent là. On nous parle ici que notre intuition va être faible. C'est pas grave, faut pas s'alarmer, ça arrive. Tout le monde, l'intuition, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Ouais, on voit ici, il y aura une baisse des réceptifs. Un papier qui vient de loin encore. Un événement qui apporte stabilité au bonheur. Manipulation au printemps. Épuisement, surcharge, parce qu'on veut progresser et on veut que ça avance. On parle de concrétiser un amour. On parle d'un mensonge pour sauver quelqu'un. Est-ce que, bon, le mensonge c'est mal, là ça me donne des questions, mais est-ce que mentir c'est mal si c'est pour sauver quelqu'un ou aider quelqu'un? Si on n'a pas le choix. Moi, je trouve pas ça bien. Enfin, je trouve pas ça mal. Si c'est pour aider quelqu'un, si c'est pour... si on n'a pas d'autre choix, en fait. Si cette personne, on peut pas l'aider autrement, je pense que... Tant que ça met en défaut personne, voilà. On va pas dire, ouais, on peut pas mentir, on peut pas dire personne n'a jamais menti, c'est pas possible. À ce qui paraît, l'être humain, il ment... plusieurs fois par jour, pas des gros mensonges, mais des trucs bêtes, genre par exemple, est-ce que tu vas bien? Oui, voilà, des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, moi je trouve, bon, mentir, oui, c'est pas bien, c'est sûr, mais on va pas dire qu'on n'a jamais menti, quoi.
Mentir pour pas dire quelque chose, parce qu'on n'en a pas envie. On n'est pas obligé de tout dire aussi. Dans une semaine, on nous parle qu'il y a une connexion, qu'on va ressentir quelque chose d'important. Un remède concernant une pause, une prise de recul, un retour au docteur. Une punition, sanction concernant quelqu'un qui a été cruel. Flirter, se rapprocher. Ouh, on dirait un psychopathe. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a l'air un psychopathe, qui flirte avec quelqu'un et qui est trop pressé, en fait, qui va avancer vite dans le flirt, dans la séduction. On y va. On se lance malgré les doutes. On travaille, on s'applique concernant un problème. Voilà. Donc voilà les amis. Écoutez, on a fait une petite vidéo, j'en avais vraiment envie, j'avais la tête vraiment reposée, donc voilà. Et j'avais dit que je voulais dater la lettre. Oh non! Je vais dater la lettre, c'est ce qu'on va faire. Hein. Mais j'ai mis quoi comme date, moi? Ça fait longtemps. Ouais, ça va, j'ai fait bien, j'ai bien fait. Comme toujours. Alors, s'il vous plaît, peut-être une petite date. Une petite date pour la lettre, pour ce courrier, ce message qui vient de loin. Une petite date, une petite période. Celle-ci. 3 heures. Les guides, c'est pas sympa là. Va falloir être à la hauteur. Je vais me faire frapper sinon. Non, c'est dur de dater. Attendez, je me rapproche pour vous parler un peu. Ouais, j'ai envie de vous partager une anecdote. Genre, c'est dur de dater, donc voilà. Mais moi, je date pour moi, je m'en fous parce que si je me trompe, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on apprend. Eh bien, à chaque fois que je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je date, je me trompe pas. C'est fou. En fait, c'est fou tout ça. C'est fou, je vous jure, c'est fou. Et c'est grâce, quand ça se réalise, tu vois, ça te dit, tu te trompes pas, tu vois, tu délires pas et tout. Et c'était pour le déménagement, j'avais daté. Je me suis trompée de 1 mois. Moi, j'avais vu en octobre 2024 et a déménagé en septembre 2024 et je vous dis ça il y a genre il y a 7-6 mois je fais ça et c'est pas la première fois que je date toute seule et je le fais avec les cartes en fait je date avec les cartes à un moment donné j'avais une technique c'était avec le Normand et là j'ai juste daté attends c'était avec quoi je sais plus ça avec mon oracle ou pas je sais pas mais j'avais daté avec un oracle quoi normal. Et j'avais pris 3 cartes, et en fait, selon ce qui disait le message, j'arrivais à voir si c'était positif ou négatif. Et c'est fou, hein. Mais en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a écrit sur la carte, c'est toi, en fait, ton ressenti. C'est fou, hein. C'est fou, les amis. Donc voilà, écoutez. En tout cas, je fais des bisous. Je suis contente en vrai d'avoir mis les rediffusions, je n'osais pas, ça faisait tellement longtemps que je voulais essayer de le faire et j'avais peur, je sais pas, que ça se fasse pas, que c'est pas bien et tout. Et après je me suis dit, mais en vrai, pourquoi c'est pas bien, enfin, tant que je le marque, tant que je le dis que c'est une rediffusion, je vois pas pourquoi ça serait mal, sachant que c'est des trucs, c'est des rediffusions, donc c'est intemporel en plus, donc je me dis, pourquoi pas, c'est dommage parce qu'il y a certaines vidéos qui étaient pas mal, d'autres moins. Mais donc voilà, je me suis dit, oh, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie, arrête de te soucier un peu des regards des gens, des trucs. Donc voilà, je l'ai fait. Et j'ai fait une couleur, je sais, en a, vous me préférez blonde, mais vous me connaissez, des fois je suis rousse, des fois, voilà, des fois. Princesse! En fait, c'était pas. Princesse? Princesse, la voix. Et j'ai fait mes ongles. Je me suis dit, la prochaine fois que je reviens sur YouTube avec une nouvelle vidéo, il faut que je fasse mes ongles en rouge.
Je sais pas pourquoi. Et du coup, je l'ai fait. Donc voilà. Il faut que je me fasse les cheveux, j'avais dit, dans ma tête. Bon, je fais des kissous et voilà. En vrai, les rediffusions, je voulais de base faire que de temps en temps, en fait. De base, c'était ça. Donc voilà, écoutez. Bon, je fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Attendez, je vois pas avec l'écran pour arrêter. Allez, bye bye, à demain.